partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Je veux que ma mère soit fière de mon. Wesh! Oh, Moura, t'es déjà là? Bien sûr, je suis déjà là. Wesh, mais qu'est-ce que tu fais déjà ici? Bah, je sais pas, je me suis dit, voilà. Normalement, tu viens, tu fais des entrées fulgurantes là, t'as pas fait une entrée fulgurante là? T'as mis bébé parti trop. Comment ça, bébé? Non, le son. Ah! J'avais pas compris, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a? Oui, je viens de me réveiller, enfin, en vrai, je viens pas de me réveiller, je me suis réveillé à 19, mais là, j'ai trop un rythme de merde, franchement, Moura, mon frère, ça me casse les couilles. Non, c'est trop chiant, les frères. T'as dormi à quelle heure hier? J'ai dormi genre à, bah, du coup, 9h du match, je pense, à mon avis. Cool. Mais je dors trop en fait, je dors 10 heures par jour, frère, c'est chiant. Genre, en gros, le problème, c'est que, vous vous rappelez, j'avais fait une théorie comme quoi, souvent, les gens qui vont être amenés à réussir à se contenter de 6 heures de sommeil, c'est des gens qui, depuis longtemps, sont habitués à vivre avec 6 heures de sommeil, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que moi, même quand j'étais au lycée, eh ben, je me couchais tôt pour pouvoir dormir. Donc, du coup, j'arrivais à dormir entre 8 et 10 heures par nuit. Quand j'étais en BTS, pareil, genre, t'as vu, j'étais là, je me couchais tôt, à part quand j'ai commencé à stream, et là, j'étais fatigué. Mais en gros, j'ai commencé à stream, ça veut dire que j'ai fait 6 mois en étant en manque de sommeil. Après, j'ai all-in le stream, et depuis que je stream, j'ai pas de limite de sommeil, ça veut dire depuis que je suis petit en fait. Genre, je suis encore en mode. Mon corps il est encore en mode, ouais, non, il faut dormir 10 heures par jour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais ça c'est bien, mais pas bien. Bah non, c'est pas bien en vrai. Parce que, genre, t'as vu, moi mon rêve c'est dormir plus longtemps. Toi ton rêve c'est dormir plus moins longtemps. C'est de m'endormir plus vite, mon rêve en vrai. En vrai, mon rêve c'est de m'endormir plus vite. Ouais, c'est vrai que ça c'est une dinguerie. Ouais. Tu sais que je vais dans mon lit à 22h, je me couche à 2h alors que j'étais parti pour dormir, genre. Ouais. Genre vraiment, frère, je sais pas combien de milliers d'euros je pourrais mettre pour réussir à m'endormir comme ça, t'as vu? Frérot, je fais que le dire, mais je te jure, ma meuf, t'as vu, genre en gros, regarde, vraiment, c'est une dinguerie. Elle est là, elle est sur son tel, tu vois, elle est dans le lit, elle est sur son tel et tout, tu vois, genre elle va scroll TikTok, machin. Et d'un coup, elle dit, bon, vas-y, bonne nuit. Elle pose son tel, elle se met comme ça. Et vraiment, Moura, sans déconner, genre 4 minutes. Et t'as vu, vraiment, et t'as vu, je dis 4 minutes, histoire d'être large, hein, tu vois, mais genre vraiment 4 minutes plus tard, genre si je lui parle, elle dort. Frérot, c'est une dinguerie. Et ça, ils sont grave gifted, les gens comme ça. Frère, c'est genre vraiment, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, les gars, vraiment, les gars et les filles. Quand vous arrivez à dormir aussi vite, genre vraiment, remerciez Dieu si vous êtes croyant, remerciez la science si vous êtes pas croyant, mais remerciez quelque chose parce que vraiment, je vous jure, non, c'est un truc de baiser, frère. Moi, je suis là, j'ai une espèce de pattern de sommeil. En plus, là, il a changé maintenant mon pattern. Genre, avant, juste, je me mettais sur le ventre, je me mettais ma vidéo et je m'endormais. Maintenant, en gros, je me mets sur le ventre, je mets ma vidéo et quand je commence à m'endormir, genre, je me tourne sur le côté droit et du coup, ça reset un peu mon endormissement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Genre, j'arrive plus à m'endormir sur le ventre maintenant. Genre, je m'endors sur le côté, frérot. Et du coup, je suis là, je mets 1000 ans à m'endormir tout le temps, frère. C'est fou. C'est mon plus grand combat, ça. Parce que combien de temps que je gagnerais ça? En fait, à chaque fois, je ferme les yeux, je me dis putain. Là, il a dit, c'est grâce à toi, elle a pas de soucis dans la tête, du coup, elle dort pépère. Ouais, c'est moi, je prends tous les soucis, Zarma. Oh, mais tant mieux après, mais bon, putain. En plus, là j'ai repris. Non, Ninja, c'est pas le truc que Moustouf m'a donné là. J'ai pris un. C'est un espèce d'équivalent. C'est des espèces de petits bonbons à la mûre qui font que normalement, tu es censé t'endormir plus vite. Eh, c'est moi, je t'avais conseillé ça, non? Oui, mais sauf que là, c'est pas les. Voilà, exactement. Exactement, oui, exactement. Sauf que là, c'est pas les mêmes que toi, là. Là, Zarma, c'est notre marque. Non, je crois pas. Parce qu'en gros, t'as vu, quand je suis arrivé ici, j'en avais plus. Genre, j'ai fini ma boîte là. Donc, du coup, ma meuf, elle est partie à la pharmacie. Elle a acheté. Et il y avait plus la même marque que toi, tu m'avais dit. Là, c'est un autre truc à la mûre là. Mais j'en prends qu'un. Ouais. Avant, j'en prenais deux. Mais j'ai une théorie de pourquoi on est comme ça. Pourquoi? En fait, on se dépense pas assez dans la journée. T'as vu? Alors que t'as vu, un mec qui fait du sport et tout, c'est sûr, il va se dire, putain, je vais bien dormir ce soir. Il va fermer les yeux, il va aller one shot. On se dépense pas. On est des gros lards, on est des geeks, frère. On fait que de manger, boire, péter, jouer. On a un pattern de merde, ça. Qu'est-ce que faisait le prout en plein milieu de la phrase là? J'ai pas compris. Je sais pas, mais genre vraiment pour dire qu'on est des sombres. Alors que t'as vu un mec qui va se dépenser au sport, il fait sa grosse séance, il explose toutes ses testostérones. Je sais pas, Imo, oui, mais non. Parce qu'en gros, des fois, frère, ça m'arrive où je suis vraiment fatigué et je dors pas. En fait, en gros, c'est ça. J'ai vraiment compris. C'est que le problème, Moura, qu'on a, c'est que t'as vu quand tu te lèves le matin et que tu dois te lever parce que tu dois aller en cours ou tu dois aller à ton taf, le soir, tu vas dormir sans difficulté. Non, pas moi. Ah ouais, pas non. Moi, en gros, à l'instant où c'est un réveil qui me réveille, genre où je me réveille d'un réveil, tu vois, et que genre en gros, jamais même j'ai dormi 8 heures, mais que c'est un réveil qui me lève et que du coup genre j'ai pas fini mon sommeil et que je me réveille pas naturellement, le soir je vais m'endormir. Par contre, si jamais tu vois genre j'ai qu'un truc qui me retient et que je me réveille de manière naturelle, je vais m'endormir genre 2 ou 3 heures plus tard que ce que je m'étais endormi la veille. Genre par exemple là aujourd'hui je me suis réveillé de manière naturelle, et ben je sais que cette nuit je vais galérer à dormir et que lundi j'ai rendez-vous à 14h et que ça me casse les couilles, tu vois. Alors ouais. Que t'as vu quand tu vas en cours ou quand tu vas au taf, normalement, genre t'as vu à l'époque quand j'arrivais à m'endormir le soir parce que mon réveil il sonnait à 6h, frérot, j'avais pas le choix. Tu sais, j'étais pas en mode bon vas-y, je mets un autre réveil, je le mets à 8h, tu vois, genre oh, je suis encore fatigué, je mets mon réveil à 7h et à 7h je me dis oh, je le remets à 8h. J'avais pas le choix, frère. Alors que là j'ai le choix. Mais moi j'avais lu un truc, c'est que en gros, et je te jure que c'est ça je pense, hein, parce que si je dors pas la nuit, c'est parce qu'en fait mon cerveau il se venge de ma journée. J'ai pas été satisfait de ma journée, du coup il se venge sur ma nuit pour la combler, genre. J'ai vu ça sur TikTok aussi, ouais. Ah moi j'avais vu sur Twitter, mais ah. Bref. Et du coup on se venge
change sur notre journée médiocre qu'on a eue pendant notre nuit. Ça, genre en mode on rattrape. Ça aurait pas de sens. Si, si, si. Ah ouais ? En fait, t'as vu, t'es pas satisfait de ta journée, du coup, ton cerveau il est en mode bah tiens, tu sais. Non, il y a forcément d'autres trucs à faire, du coup. Genre, il est pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre en mode, il a pas été assez. Satisfait de ta journée. Non, pas satisfait, assez travaillé, genre assez stimulé. Assez stimulé. Bien joué. C'est vrai que moi je stimule pas mon cerveau, frère. Hein. Genre, moi, frère, je suis là, je vais devant mon PC, je stream. Je joue à des jeux, je vais dormir. Non mais là, en fait là en vrai là moi j'attends vraiment mes locaux hein. Parce que là en vrai, en dehors des rendez-vous que je peux avoir, des réunions, des trucs, j'ai aucune raison de me réveiller si ce n'est de me lever pour aller stream. Donc là lundi je pense que je vais être réglé. Il y a un monde où lundi prochain je stream pas parce que je pense que je serai fatigué. Parce qu'à mon avis dimanche soir je vais stream tard. Je vais me lever à midi 13h, puis après soit je fais une sieste et je suis là le soir mais je suis fatigué et là je pars dans un cycle de sommeil qui va être désastreux. Soit je tiens jusqu'au soir et le soir je dors. C'est que frère, moi j'ai deux maléfices en moi. C'est la paresse et procrastiner. Ouais. C'est une dinguerie comment je suis un procrastinateur. Ah ouais? Frérot, il va être 23h58. Je dois le faire pour. Non, attends. Genre, je sais pas, je dois faire un truc pour aujourd'hui. Je vais le repousser à 23h59, tu vois. Genre, je le commence à la dernière minute. Genre, vraiment. T'es une merde. Mais oui, mais toi aussi, non? T'en es une. Enfin, procrastinateur. Non, moi en vrai, ça va. Genre, moi en fait, je suis pas un procrastinateur. Je suis un optimisateur. Ouais. Ouais, je te jure. En gros, je suis un optimisateur. T'as vu, ça veut dire, genre, je vais me dire, ouais. Par exemple, là, la dernière fois, quand on avait le Airbnb qu'il fallait dépasser les affaires, tu vois. Et ben, genre, ma meuf. Quoi? Ouais, vas-y, je t'écoute. Quoi? Pour moi, t'es procrastinateur sur ce coup-là, mais vas-y. Attends, écoute. Attends, il a pété une barre, j'avais même pas encore dit mon histoire. Et en gros, ma meuf, elle m'a dit, ouais, là, on descend maintenant, autant commencer à descendre des affaires maintenant, tu vois. Et là, je lui ai dit non, on le fera demain, tu vois. Et en gros, c'était pas de la procrastination, c'était de l'optimisation, dans le sens où ça servait à rien qu'on se fatigue maintenant, alors que dans tous les cas, on serait fatigué demain, tu vois. Mais si jamais il y a un truc à faire, je vais le faire. Après, je procrastine aussi des fois quand même. Mais comme tout le monde, je pense, comme tout le monde procrastine un petit peu. Non, mais je suis pas l'anti-procrastinateur ultime, tu vois. Je suis pas en mode, ah non, moi, tout ce que je fais, je le fais tout de suite et tout, tu vois. Ça m'arrive de dire, ouais, je le ferai plus tard. Mais je pense moins que toi, Mora. Bah, en fait, ça dépend. Genre, moi, je suis en mode, vas-y, quand j'ai pas le choix, bah, vas-y, je le fais, quoi. Mais sinon, genre, si je peux repousser à la dernière minute, je peux. Enfin, je le fais. Et pourtant, je devrais tellement m'organiser parce que, t'as vu, quand je vois mes potes qui sont organisés, ils ont déjà fini. Genre, tu te souviens, les vacances, moi, je faisais mes devoirs tout le temps à la fin. Eux, ils avaient déjà fini, ils se sont organisés, ils profitaient encore. Eh ben, regarde, moi, t'as vu mes devoirs, frérot. Genre, imagine, je finissais à 16h, je restais en études de 16 à 17. Et après, je partais. Et moi, j'étais tranquille tout le week-end. Et bah, ça, j'ai fait que récemment, là. Mais ça, c'est broken, frère. Ouais, c'est mais ça, la vie c'est bon. T'es encore dans le mood des cours et tout, je sais pas quoi. T'es là, tu l'es fait. Ouais. Tu dis, vas-y, une heure de plus après tout le week-end. T'as la tête, elle est vide. C'est bon, tu t'en bats les couilles. Et t'as vu, moi, le dimanche soir, là, comment j'avais trop la haine. Ah non, ça fout trop la haine de faire les devoirs le dimanche soir, frérot. Parce que t'as pas envie, frère. T'es là, t'as juste envie de. Je sais pas, frère, t'as fait ton week-end. Ouais, de fou. Non, c'est insupportable. Oh là là. Moi, je les faisais pas comme ça, c'est rapide. Non, mais en gros, soit je les faisais en études de 16 à 17. Mais en vrai, souvent, j'allais pas en études de 16 à 17. Par contre, ça, c'est la vérité. Ce que je faisais souvent, ne le faites pas, mais c'était en cours. En gros, en cours, je le faisais. Tu vois, en cours, je faisais mes devoirs. Imaginez, genre, on était en cours de maths, ça me cassait les couilles. Et ben, au lieu d'écouter le cours de maths, et ben, je faisais mes devoirs pendant le cours. Ou alors, je demandais à quelqu'un qui me truc, tu vois. Est-ce que, genre, tu penses qu'il y a un pays, genre, il est considéré comme le pays le plus beau du monde. Genre, les gens, ils sont corvas. Genre, il a été noté et tout. Ah oui, là, on est passé du coq à l'âne. Là, je vais péter. Ouais, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, j'étais en train. L'Algérie? Ouais, c'est vrai. Le mec trop fier. Le mec, il force. non, je crois le c'est le Japon le pays qui a le plus la côte, non? Dans le monde? Attends, je vais voir. Pays le plus beau du monde. Waouh, oh les menteurs. Ils ont dit l'Italie, je crois. Oui. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore, l'Italie? Oui, l'Italie. T'as pas oublié, Materazzi. On vous oublie pas, les Italiens. On l'a encore ici. Hein. Salut. Ah ouais, Japon 1, State 2. Ouais, mais State, en fait, c'est trop contradictoire. T'as vu, c'est trop ghetto et à la fois. Je sais pas si tu vois Thomas. Non, mais dis-moi carrément. Pierre, pourquoi... Ça va, Wachi? Ça va, Thomas? Ouais, ça va. France 4. Oh, les menteurs. Par contre, j'ai juré que la plus belle avenue du monde, et elle a pas usurpé son identité. C'est bien les Champs-Elysées, hein. C'est magnifique. La dernière fois, je faisais la trottinette électrique. Menteur. Mais frère, c'est ça. La trottinette. Wesh, par rapport au reste du monde, toi, t'es un baiser, toi, ou quoi, frère? Frérot, les Champs-Elysées, c'est la... Vas-y, j'ai même pas les mots, frère. Ah, vraiment, t'es oui, un baiser. D'accord. Ah, vraiment, d'accord. Mora, vraiment, la Mora, frère, t'abuses. Non, sûr, t'abuses. Dose de fou. Mais Thomas, en fait, genre, toi, tu connais que l'avenue où il y a Fendi, tout ça, McDo, tout ça. Frère, fais la trottinette électrique en pleine nuit. Dans les alentours des Champs-Elysées, Paris 8, Paris 16, tout ça. Frère, tu vas te dire. Mais frérot, mais nous on est des bandeurs de nature, Morin. On n'est pas des bandeurs de vie, frère. En gros. Et la vie d'homme, l'architecture est magnifique. Mais je m'en bats les couilles de l'architecture. Nous on n'est pas des bandeurs d'humains, nous on est bandeurs de nature, frérot. T'as vu, moi, frère, ce que j'aime voir, c'est. J'aime les deux, moi. C'est des lacs.
lac avec des trucs de rivière, avec des montagnes et des trucs, frère, je sais pas moi, tu vois. Genre en gros, à partir du moment où c'est build par un homme, je sais pas, ça me déhype un peu. Non. Tu vois, quand tu passes dans une architecture et t'arrives à ressentir l'époque, genre tu traverses la rue, tu sens qu'il y a eu du vécu dans cette rue. Je dis pas que ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Mais genre, c'est pas un truc que je veux me dire, ouais, faut vraiment que j'aille voir ça là, tu vois. Je sais pas, moi je suis pas comme toi, moi j'aime les deux. Y a pas un et l'autre, non. Moi j'aime les deux. Genre les lacs, les paysages bien verts, bien oiseaux qui. Dis-toi juste, les paysages de la terre, même le plus beau du monde, ça me hyperait bof, tu vois. Pourquoi ou pas? Mais attends, mais t'aimes quoi alors? Mais parce que moi je suis un meilleur d'espace, Mora. Non mais ça n'a rien à voir, mais attendez. En gros, ce que je dis, c'est que étant donné que moi je suis un meilleur d'espace, genre j'ai du mal à avec tous les trucs que. Non mais c'est pas possible, arrêtez de me ro. En gros, écoutez, en fait, vu que moi je me nourris beaucoup de paysages spatials, tu vois, de planètes que en fait, t'as vu quand je regarde les trucs de James Webb, de Hubble, des télescopes là qui prennent des photos de fou là avec les piliers de la création, des trucs, frère, ouais, il y a tellement des dingueries dans l'univers que en gros, frérot, t'as vu, genre moi c'est ça qui me hype le plus, tu vois, genre c'est dans mon top 1 de ce qui me hype. Je dis pas que les trucs sur Terre ça me hype pas, juste que ça fait pas partie de mes top tiers de mes trucs S tiers de ce qui me hype de paysage, tu vois. Oui, j'ai compris. Ah frère, mais t'es... Non mais attendez. Non mais parce que ça dépasse. Mais oui, ça nous dépasse, mais c'est ça, frère, qui me fait bander, frère. C'est justement ça, c'est tout le truc. Ouais, mais c'est trop long aussi pour que t'aies des bêtes de photos, genre. Mais frère, attends, toi t'es genre, c'est stylé de voir une galaxie tout entière. Ça oui, c'est stylé. Putain, ils avaient fait un site pour Hubble avec toutes les photos que Hubble il avait mis là. Y a pas pareil pour Ça existe toujours les vols en 0G? Oui, ça existe toujours les vols en 0G, en plus c'est à Bordeaux maintenant. Enfin, c'est à Bordeaux maintenant, ça a toujours été à Bordeaux, mais c'est bien parce que maintenant je suis à Bordeaux. Ah, mais attends, Mora. En fait, je veux bien que vous soyez pas hype par l'espace, les gars. Attends. Je l'entends. Je kiffe aussi, et vraiment, il y a des trucs dans l'espace, j'ai pété ma tête, vraiment. Genre, imaginez juste, vous êtes en plein milieu du vide galactique et vous voyez des trucs comme ça, les gars. Mais vous êtes des fous ou quoi? Genre, c'est... Oui, je suis d'accord. Imaginez là, vous êtes là, vous flottez et vous voyez à 360 degrés autour de vous là, c'est des dingueries comme ça. Genre comme dans ton intro. Ouais. Ouais, mais c'est lassant. Mais frère, regarde en plus comment tu peux zoomer sa grand-mère. Comment ça c'est lassant? En fait, pour toi, le comble ultime, c'est d'être dans l'espace avec la musique. Non, juste. En fait, je pense que c'est lassant parce que vous comprenez pas ce que vous voyez. Genre vraiment, je te parle sérieux, Mora. Imo. Frérot, je comprends. Je comprends. Vas-y, qu'est-ce que tu vois? C'est un nuage de poussière avec des étoiles dans le fond, avec l'espace qui roule. Il y a un sort de. Bon, après, c'est un peu photoshopé sûrement. Mais tu vois, il y a un jeu de couleurs. C'est poussiéreux. Hey, t'inquiète, frère. On a l'œil. Mais juste. Ouais, parce que t'as vu, quand tu penses poussière, toi tu penses poussière qu'il y a sous ton lit, sale fils de pute. Mais t'es un cinglé, non? Mais si, frère. Je vais même te le dire, Stardust. T'as vu? Là, je te choque, là. Là, je te choque, il m'a dit. Frérot, t'as vu ça, là? Au bout d'un moment, ça va se regrouper, ça va faire une étoile, frère. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? S'il te plaît, frère. T'as vu ça? Ça, je savais pas, par contre. Ben oui, frère, c'est pour ça. Tu vois ça en gros? Là, moi, je pensais que c'était l'inverse. Zarman, c'est l'étoile qui est devenue comme ça. Frère, t'as vu? Genre, il y a des étoiles au premier plan, il y a des étoiles derrière, frère. C'est. Je m'étais à fou, toi, ou quoi? C'est dû à quoi, la poussière orange, là? Alors ça, frérot. La poussière. Je sais pas, frère. Ça par contre, ça c'est une étoile qui a explosé, ça, Mora. Ça c'est une supernova. Frère, tu te rends compte de la dinguerie ou pas, frère? Attends, supernova? Oui, mais frère, déjà, moi, ça j'y crois, mais j'y crois pas à la fois. Pour moi, c'est. Comment en ça, fait, t'y crois pas? Comment tu peux pas y croire? Frère, Zarma, ils ont eu la frame, ils l'ont eu au bon moment et tout, ils ont vu une supernova. Non. Mais Mora, ça dure depuis des milliards d'années, frérot. Des millions sûrs. En gros, t'as vu les. Et c'est ça qui est fou, Mora. C'est que t'as vu, genre, une explosion comme ça. C'est pas comme sur Terre où, genre, ça dure 10 secondes, tu vois ou pas? C'est que c'est tellement grand, il y a tellement de masse, il y a tellement de matière, frérot. T'as vu, genre, imagine, là, j'ai pas les trucs en tête, tu vois. Mais en gros, de la gauche à la droite, ça peut faire, genre, par exemple, 1000 années-lumière. Et 1000 années-lumière, frérot, tu fais. Genre, c'est une dinguerie, sa grand-mère, comment c'est grand, tu vois. J'ai oublié ce petit paramètre. Mais oui, ça veut dire que, tu vois, ça, en gros, ça peut faire 100 millions d'années que, genre, en gros, c'est en train de s'étendre, tu vois, et que ça grandit. Genre, frère, c'est ça qui est une dinguerie. Et si on se tépait là-bas, c'est déjà finito, en fait. Non, pas forcément. Parce que c'est le temps que ça arrive à nos yeux. Oui, c'est le temps que ça arrive à nos yeux, mais après, ça rien à voir. La grandeur, ça rien à voir. Ça peut être à des années de lumière, ça peut être à un milliard d'années de lumière. En gros, c'est la distance par rapport à nous qui fait que quand on arrive là-bas, c'est finito. Pas la distance en elle-même du truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, t'as dit c'est la distance entre quoi et quoi? En gros, imagine ça, ce qu'on voit en face de nous, c'est le point A. Nous, on est le point B. Et ben, si entre le point A et le point B, il y a 1000 années de lumière, et ben, il y aura 1000 ans de décalage
je. Ouais, voilà. C'est pour ça, imagine juste t'es dans l'espace, frère, tu vois ça. Et tu contemples ça de tes yeux, frère. Que pour moi, ça se tape avec ça. Genre, t'as vu, pour moi, les bails, genre. Non, mais alors, je vais péter un câble, regarde ce qu'il m'a envoyé. Je te jure, les paysages comme ça, non, à Paris. Frère. Non, mais frère, attendez. Je te jure, les rues. Ce mec se fout de ma gueule, là, frérot. Dites-moi qu'il y a des gens comme moi, s'il vous plaît. Je te jure. J'avoue que c'est magnifique, j'avoue que c'est vraiment. En fait, les Parisiens, vous me faites de la peine. En fait, vous allez arriver à ce point-là. Vous êtes arrivé à bander sur des trucs comme ça, frère. Tellement vous êtes matrixé par la vie. Tu le vis pas. Mais non, mais les gars. Faut le vivre. Je te jure que ça, c'est un coin moche de n'importe quelle ville du sud. Je te parle sérieux, Moura. T'es un cinglé, frérot. Un malade. Tu vas à Bagnoul-sur-Mer, une ville trop moche à Perpignan. Eh ben, frérot, tous les trucs, c'est comme ça. Non, vraiment, je te promets. Je te parle sérieux là. Là, ça me fait. Mais c'est clairement. Ça me fait grave de la peine ce que tu me dis là. Attends, c'est où là, le côté ville là? Comment on met le petit bonhomme? Regarde, endroit random. Regarde, j'ai piqué un endroit random, frère. Oh, abuse, frérot. Je te jure, on dirait le quartier de Nasdas. Qu'est-ce que tu me compares avec ça là? Quoi? Regarde le truc et regarde mon truc. Frère, c'est. Mais attends, c'est j'ai piqué un endroit random, frère. C'est pas Bagnoul-sur-Mer que je pense là, mais j'ai oublié comment s'appelait cette ville. C'est vrai qu'on dirait le quartier de Nasdas là, on dirait ça, Jacques. Mais après, ça, c'est toutes les villes un peu de Perpignan, c'est comme ça, tu vois. Attends, là, il y a Cerbère. Je te jure, on me dit, je te donne 1 million, tu vis là-bas, je dis non. Non, pas au ventre, Collioure. Attends, est-ce que c'est pas Collioure? Est-ce que c'est Collioure? C'est beau. Collioure. Attends, là. Mais putain, mais frère, là, j'ai vraiment pas de luck, ça. J'ai vraiment pas de luck. Regarde les bâtiments. Allez, sortez, qu'on est. Ok, mais regarde ça. Et ça. Là, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, c'est moche, là? Mais frérot, je te jure que ça rivalise même pas avec 1% de Paris. Hein. Mais non, mais toi, t'es un baiser, frère. Toi, t'es un baiser, je te jure, Mora, je te parle sérieux, t'es un baiser. T'aimes tout mon cœur, mais t'es un baiser. Frérot, je te jure que. En fait, je pense, quand t'es à Paris, je pense que tu regardes que ton pied ou en face de toi. Tu regardes pas au-dessus de toi. Regarde les architectures la prochaine fois. Va dans des endroits, c'est pas que la rue, putain, les touristes, tout ça. Putain, mais j'ai pas de chance. Tu parles de quelle ville là, Mora? Paris. Mais regarde ça, frère, comme c'est beau! Ouais, là, ok, ouais, c'est magnifique. Mais je c'est ma voiture. Attends, mais ça se trouve, c'est moi? Ah non, oui. Non, c'est pas ma voiture. Attends, mais on est où là? Là, c'est. C'est Argelès, je crois. Argelès, c'est incroyable, hein? Ouais, c'est beau. Il n'y a pas d'architecture, quoi. Ok, mais ça, c'est quoi, Mora? Ça, c'est quoi ça? Dis-moi ce que c'est, s'il te plaît, ça. Dis-moi ce que c'est, ça, Mora, s'il te plaît. C'est la plage, ouais. Sa mère, ça, il n'y a pas de paysage du ça, commun. Lui, c'est qui, ça, Mora? C'est qui, ça, lui? Ça doit être le Darondouachi. Attends, mais il y a. Frère, pourquoi aller à la plage quand tu peux aller à la piscine quand t'es à Paris? Attends, regarde, je vais te montrer exactement là où je vendais du shit quand j'étais petit. Là, ici, là. T'as vu ce petit carré là? Ils l'ont détruit, il n'existe plus maintenant. Attends, mais pourquoi il y a encore. Ah, c'est 2009! Mais pourquoi t'étais sur une place aussi? Ils ont caillasse la genre, voiture de Google. En gros. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. Non, mais parce que là, tu le vois, tu te dis, ouais, ça pue sa mère et tout, mais en gros, c'est un truc qui s'appelle l'allée des pins, tu vois. C'est l'allée des pins, en gros, il y a deux allées, il y en a une. Ah, effectivement. Il y en a une ici. Mais genre, en gros, pendant l'été, là, ils l'ont pris en janvier, tu vois. Et pendant l'été, genre, c'est vraiment une dinguerie que c'est genre, tu te régales pour de ça. Genre, c'est blindé? Ouais. Attends, mais là, ouais, voilà, maintenant c'est comme ça. Y a plus le carré comme avant. Ouais, c'est blindé de fou, hein. Et genre, en gros, tu peux marcher dans. Genre, c'est deux grandes allées, t'as vu? Mais c'est stylé. Regarde le sable blanc et tout, frère. Mais t'es fou, toi ou quoi? Attends, tu veux parler avec le sud? Bon, là, il est plus très blanc, là. Regarde, frère. Non, Mora. Frérot. Et t'as vu, ça, c'est la nature, ça, c'est beau, ça. Tu vois? Là, y a des arbres, y a des trucs, frère. Y a une petite fête foraine, normalement, par ici. Attends, elle est où la fête foraine? Peut pas aller vers là-bas? Mais wesh, la voiture, elle voulait pas passer là-bas? Ah ouais, t'as vu, y a une petite fête foraine. Regarde, y a un petit train. Regarde le petit train. T'as vu, le petit train. Et ici, il y a une machine à points normalement quand c'est ouvert. Ah, c'est 2022 là. Ah là, ouais, t'as vu déjà, c'était l'été là. Bah, t'as 3-4 arbres, Luna Park et un train. De fou. Attends, qu'est-ce que je pourrais lui montrer à Perpi qui est beau, sérieux? Attends, regarde. Là, franchement, si tu me dis c'est moche, frère, je deviens fou. Là, je prends un endroit au hasard. Mais je suis pas aigri, je compare juste avec Paris, les mecs. Merde, mais attends, mais putain, mais. Attends, mais. Je suis pas au bon endroit ou quoi, les gars là? Mec, il se rend compte que le sud. Mais attends, mais normalement, frère, c'est la montagne et tout. Non, mais ça, Cyprien, je vais aller montrer ça, Cyprien. Regarde ça, frérot. Ça, c'est à 1 heure de Perpi. Ils ont pas fait une belle photo, sérieux? Je vais devenir fou. Non, mais il y a tout qui pue la merde, alors que je te jure, quand il est là-bas, frère, c'est incroyable comment c'est beau. Ah oui, il y a le téléski. Le ski, j'en ai jamais fait, moi. Un jour, j'en ferai. Attends, je vais mettre un endroit random de la France. T'as déjà fait du ski? Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Récemment, là, je crois. Après, la France, je sais pas si c'est un. En fait, la France, ok, il y a des belles architectures, mais bref, t'as compris le message, moi. Que je te voulais te faire passer, tu vois. Oui. C'est que frère, moi, toujours quand t'es matrixé par l'espace, c'est dur d'apprécier ce qu'il y a sur Terre. À moins que tu me mettes sur la Lune et que je regarde la Terre de loin. Tu me mets dans l'espace là, et je contemple la Terre de loin, frérot. Non, mais sérieux. Mais ce mec est fou. Et frérot, la main et. Comment ça, une bière à la main? Comment ça, une bière? Bah, de faire genre, wesh. En fait, vous pouvez pas comprendre, je pense que. Et je vous en veux pas. Comme je vous en veux pas, mais faut pas m'en vouloir si jamais moi je suis hype par ça, tu vois. C'est vraiment. Les gars, quand vous aimez l'espace, c'est vraiment dur de. Moi, je pense, le truc que j'ai vraiment envie de voir avant de mourir, c'est une aurore boréale. Parce que c'est ou pas? Genre, ouais. C'est des sortes de vagues de couleurs. Ciel, à cause des rayons solaires. Ça fait penser à la marque maudite de Voldemort.
pour ceux qui ont la ref. Non mais MMS bien. Il a dit LA encule l'espace dans mes frères. En plus t'es, t'es déjà allé à Los Angeles au moins MMS. Le grand Canyon détruit le système solaire entier. Mais non mais attends mais wesh. Oh là là, surcoté Imo. Non mais il abuse. Non mais vraiment. Je vais vous repasser plus souvent des stories Insta de James Webb et de Hubble hein les gars, parce que franchement vous êtes pas assez cultivés sur ça. Frère, je sais pas comment expliquer. Genre ok l'espace c'est beau, mais t'as vu quand t'es sur Terre et que tu as un paysage de zinzin, t'as la hype parce que tu dis un jour je pourrais y aller, t'as vu? Mais et là tu vas me dire oui avec l'espace on peut, mais non. Mais si jamais, regarde, c'est quoi, on va faire un parallèle. Imagine qu'avec autant de facilité tu puisses te déplacer sur Terre que sur, dans l'espace, je te jure qu'il n'y a plus personne sur Terre. Genre le business du tourisme terrestre, il est mort, il n'existe plus, je te parle sérieux. Il n'y a plus rien, plus personne ne va au Japon, plus personne ne va nulle part frérot, genre éteint, il n'y a plus rien. Mais frère vraiment, les gens, ils prendraient que des vaisseaux spatiaux. Il n'y aurait plus, genre les avions, ça serait que pour les trucs de business, tu vois. Les gars, imaginez, vous êtes là, prenez un vaisseau, vous êtes posé sur un satellite de Saturne, vous regardez le ciel, vous voyez Saturne. Vous voyez le soleil, genre t'as vu comme dans DBZ, où genre y a d'autres planètes qui dans le ciel et tout, mais vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est. Mais ça, c'est des dingueries. Mais oui, frère. J'avoue, ouais. Mais je te jure que moi, je pense, je m'évanouis une fois. Mais oui, mais évidemment, frère, que tu t'évanouis, mais c'est logique. Genre, je me dis, c'est... Oh non, rien que d'y penser, ouais. Mais tu. C'est bon, tu comprends, tu commences à comprendre ce que je te dis. Je te jure, j'ai des prières, frère. Frérot, pense. T'es là, tu regardes le ciel, tu vois Saturne, et en plus, t'as vu, genre, vu que toi, tu tournes autour de Saturne, et je tourne autour de Saturne de près. C'est-à-dire que tu vois vraiment, genre, en 48 heures, imagine, t'as fait le tour de Saturne, et ben frère, t'es là, genre, wesh, mais c'est une dinguerie. Sa grand-mère. Le soleil c'est plus le même, le soleil tu le vois il est plus petit. Il y a d'autres lunes autour de Saturne que tu vois aussi frère. Bah je suis d'accord avec BDO, genre c'est grave angoissant. Enfin moi je pense les premières heures je serais grave angoissé. Bah, genre ouais. En mode de savoir qu'il y a un énorme truc si proche de moi et que je oui. Le vois. Je sais pas comment expliquer. Oui, mais frère, tu vois. Tu tournes ta tête, tu vois une énorme planète. Ouais, je te pète ta tête frère. Frérot, c'est une dinguerie. Frérot, c'est sûr c'est une dinguerie. Mais attends, mais du coup, attends, mais en vrai, ce qu'on vient de dire là, Thomas Pesquet il a vécu, non? Avec la Terre, ouais. Ah oui, genre c'est beaucoup trop loin les. Ouais, non, je pense qu'il devait voir la Lune, tu vois. Mais ouais. Et la Terre quoi. Okay. Rien que de voir la Terre depuis l'espace, c'est une dinguerie, Morin. Ouais, bah, rien que le a sauté la Red Bull là, je sais pas si t'as vu. Ouais, et encore il a pas sauté de si haut par rapport à l'ISS, tu vois. Genre tu vois la Terre, enfin parce que même eux ils la voyaient pas en entière, tu vois. Mais en gros rien que tu vois les courbes et un espèce de grand plan sur la Terre, frérot, c'est une dinguerie, frère. Je m'évanouis. Genre je pense que je passe 15 jours, tu vois, et ben pendant 15 jours je suis là, je bloque sur la Terre, frérot, je deviens fou. Les courbes carrées là, les courbes bien plates là, bien plates avant le Photoshop. Bref, c'est une dinguerie et regardez Interstellar. Et je pense que la plupart d'entre vous avez besoin de regarder Interstellar pour avoir ce déclic spatial qui va vous rendre fou. Depuis petit on brassine, faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.